D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Bug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc ça faisait longtemps, je regarde sur ma chaîne, ça fait environ plus de 6 mois, donc ça commence vraiment à faire très longtemps. Donc d'ailleurs, je suis sur le clan là, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez. Donc c'est Luc Family YouTube, l'identifiant du clan, vous l'avez là, c'est P29UYJL. Donc il y a vraiment pas grand monde qui s'est connecté, donc là vous voyez il y a une personne 2 mois, il y a une autre 1 mois, et puis après le reste, donc là il y a 1 mois aussi, mais le reste c'est vraiment plus de 10 mois, voire plus de 20 mois, donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, j'ai déjà fait une petite demande, donc si vous venez, j'en refais une sans souci, et comme ça on pourra faire des attaques. Donc là c'est la deuxième fois que je rec, j'espère que ça a marché. Si vous voyez la vidéo, que c'est que ça a marché, parce que c'est vrai que le rec n'a pas fonctionné tout à l'heure. Mais normalement ça devrait fonctionner, enfin je l'espère là. Dans 20h on a un nouveau défi, donc celui-là j'ai déjà fait mais j'ai perdu, j'ai payé 25 gemmes pour le retester mais j'ai encore perdu. Donc j'ai dit bon tant pis. D'ailleurs j'ai aussi ça où je peux récupérer dans le rec qui n'a pas marché, j'en ai ouvert pas mal avant. Dans le coffre légendaire où j'ai eu... j'ai eu quel légendaire d'ailleurs. j'ai eu ça, l'électro sorcier, donc voilà, un en plus. Et puis du coup, pendant que je parle, on va un petit peu ouvrir, donc là on va ouvrir les cartes qui me manquent. Donc il me manque encore pas mal, j'ai vu qu'il y avait un très très beau coffre. Attendez, on va aller prendre ça déjà, voilà, les 3 mousquetaires, ensuite l'émoticône. Là on va prendre ça, les gardes. Mais donc là, ouais, j'ai vu qu'il y avait, donc là, c'est pas ici, mais j'ai vu qu'il y avait un très beau coffre à ouvrir, et qu'on fera dans une prochaine vidéo, hein, sûrement. Donc là, il y a un coffre magique, là, il y a une nouvelle carte, ici, là. Il y a un émoticône, il y a, voilà, ici. Ici, magnifique coffre, qu'on pourra ouvrir, et donc là, je suis à 4178 trophées, donc on pourra ouvrir jusqu'ici. Et puis, je pense, dans les prochaines vidéos, on arrivera ici, donc on pourra ouvrir ce coffre-là. Peut-être plus, enfin on verra au fil des vidéos si je peux ouvrir plus de... Ça s'appelle comment d'ailleurs? Ça s'appelle oui, des cartes, enfin des les récompenses, voilà. Si je pourrais récupérer plus de récompenses. Palais débloqué. C'est quoi ça? Comment on fait pour ouvrir? Il y a quelque chose à ouvrir ou pas? Non, rien du tout. Ah d'accord, ouais, c'est des paliers, d'accord. Récupérer. Ah mais j'aurais pu récupérer 1000 d'or, c'est déjà ça. Ah on peut tout récupérer. Waouh, c'est ouf. Je crois que j'allais avoir une légendaire, en fait pas du tout. Ben écoutez, en fait il y a... Oh, j'ai eu un petit truc là. Oh, non, j'ai cru qu'il y avait une légendaire, en fait pas du tout. On a eu quoi? On a eu un sort de... Une nouvelle carte encore. Un émoticône. Une nouvelle carte. Il y a tout ça comme émoticône, on a le temps. On a le temps pour tout avoir, donc là, attendez, je vais être dans les cartes de combat, je vais voir quelle carte j'ai eu. Donc c'est un... C'est pas le poison, c'est sûr que non. Mais c'est une carte, donc là il ne me reste plus que 4 cartes, alors qu'il m'a manqué 6 tout à l'heure. Donc attendez, je cherche vite fait la carte que j'ai eue. C'est ça, voilà. Niveau 3 déjà, donc séisme. Ok, ah oui d'accord, je connais le séisme, ça fait longtemps que ça existait, en tout cas sur Clash of Clans, oui. Sur Clash Royale, je sais pas si ça fait longtemps que ça y est, mais je sais pas. On va ouvrir le reste, là, tranquillement. Ah, je peux pas. D'accord, je peux pas en fait. 3 sur 10. Ok, bon, on va attaquer. On va faire 1 vs 1 parce que là, je suis à 4100 trophées, enfin quasiment 4200. Donc on va pouvoir gagner facilement parce que j'ai toutes les cartes niveau 13. Sauf la princesse, que j'ai niveau 11 du coup, pas niveau 13. Et donc voilà, mon deck n'a pas changé depuis. Hein. Ça fait depuis, ça doit faire plus de 2 ans que j'ai le même deck. Je n'ai pas changé. Donc là, on a niveau 10 en face. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. D'accord, en fait il a abandonné, j'ai l'impression. Bah écoutez, victoire. Victoire. Donc là par contre s'il mettait les flèches, ou s'il met les flèches maintenant, ça peut vraiment changer. Mais en fait non, il est parti, il s'est déconnecté. Donc là on va monter à 4200 trophées, on va peut-être pouvoir récupérer un coffre en or. Voilà, au moins c'est fait, 3 étoiles, c'est rapide. Donc voilà, d'ailleurs comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à venir dans le clan, comme ça on pourra faire quelques attaques. Pourquoi pas des défis ensemble, en 2v2, je crois que c'est possible. Donc 44 trophées, ben on va continuer, on va faire une prochaine attaque et puis on va récupérer les coffres si c'est possible avec les étoiles qu'on a eues. Donc la petite princesse, donc là il est niveau 10 aussi. Donc ouais, il faut que je monte en trophée parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Clash Royale. J'ai lancé hier le jeu,
Et donc du coup, c'est vrai que ben, mon niveau, enfin mon nombre de trophées, pardon, mon nombre de trophées est très très faible par rapport au niveau de mes cartes. D'ailleurs au niveau de ma tour aussi. Hein. Le niveau de ma tour qui est niveau 12 alors que j'ai rencontré, je crois, aucun niveau 12 depuis hier. Donc c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut que je remonte assez rapidement, sinon... Bon après vous allez me dire je gagne comme ça. Au moins ça fait des victoires. Ça fait quelques étoiles en plus, tant mieux. Donc là je prépare peut-être les flèches. D'accord, non, pas du tout. Donc ouais, là les 5 barbares niveau 13, c'est vrai que c'est vraiment très très puissant. Donc là vous voyez, la bûche est passée, l'électro-sorcier est arrivé, mais bon, il a pas survécu. Et je descends la tour. Même je détruis la tour. J'ai quasiment je détruis la tour là. Ouais. Donc voilà, une étoile. Donc voilà, vraiment les barbares niveau 13, c'est vraiment excellent. Après faut voir, parce que là c'est vrai que je joue contre un niveau 10, mais faut voir si contre un niveau 13, c'est aussi bien. Donc voilà, je sais pas. On verra dans les prochains combats, dans les prochaines vidéos. Donc là, c'est bon. On récupère ça peut-être. Ouais, trop tard, trop tard. Je voulais. Ou quoi que. Non, ouais, trop tard. Donc là, une deuxième étoile. On va essayer de récupérer une troisième étoile. Il reste 1 minute 30, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc là ouais sinon le prochain défi dans 20h, donc pourquoi pas le faire dans une prochaine vidéo si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres jeux, comme Brawl Stars ou Clash of Clans, c'est vrai que j'ai pas encore ouvert ces deux jeux là, mais je me dis pourquoi pas les réouvrir et pourquoi pas jouer si ça me tente et si ça me plaît, pourquoi pas faire une petite vidéo. Hop là. Donc voilà, 3-0. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en même temps. En mettant si vous voulez d'autres vidéos sur Clash Royale, sur pardon Clash of Clans ou sur Brawl Stars. Et si vous voulez voilà, enfin c'est tout, d'autres vidéos. Et lâcher un like, n'hésitez pas quoi. Donc là on récupère, ouais, il nous demande à chaque fois de récupérer ça, bon, je vais récupérer déjà ça. Boule de neige. Non, méga boule de neige. Petit coffret pique. Ok, j'ai déjà toutes les cartes. Ça on va récupérer vite fait ça. De l'or, nickel. On va récupérer ça. Nickel, bon là ça je prends à chaque fois ce que j'ai le moins comme carte parce que sinon bah si j'ai déjà l'autre niveau max ça me sert pas grand chose. Donc là 2000 d'or je vais assez rapidement parce que c'est vrai que c'est des cartes oh 50 gems ça c'est bien. Allez on finit là, on finit sur le coffre géant puis après on va aller au niveau des étoiles je dirais, mais c'est pas le nom exact, c'est pas le nom exact, d'accord, on a que ça au niveau. Donc ça s'appelle comment d'ailleurs ça? Des récompenses, voilà, des récompenses. Bref, donc je crois qu'on peut ouvrir ce coffre là. Non, même pas, d'accord. Plus de couronne. D'accord, faut que j'obtienne plus de couronne. Ok. Bah écoute, on y est prêt de toute façon. Là, il faut juste que j'ai une couronne en plus et c'est bon. Donc on va essayer peut-être de tirer une autre attaque. Excusez-moi. Et puis on va essayer d'ouvrir le prochain coffre à couronne. Donc là, pareil, niveau 10. Je sais pas quel est le nombre de trophées exact où je dois être par rapport à mon niveau. Donc je suis niveau 12, j'ai toutes les cartes au niveau 13. Je sais pas quel est le niveau de trophée qui correspond à mon niveau. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire à la limite, comme ça je vais essayer de monter à ce nombre de trophées là. Et on va... J'espère qu'il n'y a pas de flèche, sinon bah, je perds mes gargouilles. Ainsi que mes gobelins. D'accord. Oh, pas mal ça. Bien joué. Donc voilà, c'est un niveau 10 normalement. Je vais faire un petit peu de dégâts quand même. Je vais faire un petit peu de dégâts. Oh, même pas. Oh, il a bien joué. Il a bien joué. Mais par contre, il n'a plus d'élixir là. Donc je vais en profiter peut-être. On va voir. Pour faire un ballon. Pardon. Barbare géant. Barbare ballon, pardon. Si je me trompe. Barbare ballon. On va voir si ça marche. Ok, bah nickel, ça marche. Parce que le géant est niveau 10. Mon géant, je crois qu'il est niveau 13 d'ailleurs. Enfin, tout. J'ai toutes mes cartes au niveau max hein, en fait, hein, sauf la princesse qui est niveau 11. Donc ouais, le géant niveau 13, niveau max. Donc voilà, 3-0, c'est fini. On va récupérer peut-être... Oh, quoique, j'ai parlé un petit peu trop vite peut-être. Non, c'est bon. On va récupérer donc le coffre en or dans l'événement. Dans les récompenses, pardon, c'est dans les récompenses. Donc voilà, petit coffre en or d'ailleurs aussi. 44 trophées, ouais, c'est énorme. Et donc on va récupérer ça. Voilà, nickel. Palier débloqué. Allez, on récupère ça. Deux gemmes. Et une petite épique. Ok.
Donc là, le prochain, il faut avoir encore des étoiles. Bah écoutez, je vais, de toute façon, je vais avoir... Enfin, des étoiles. Il faut avoir des couronnes. De toute façon, les couronnes, c'est assez rapide parce que je suis assez bas en trophée. Et donc, on va pouvoir récupérer pas mal de coffres. Ok, bah en tout cas, voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire que bah, j'ai repris. Si ça vous plaît pour d'autres vidéos Clash Royale, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos sur Clash of Clans ou sur Brawl Stars, n'hésitez surtout pas à me le dire. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, ça, ces petites sortes d'étoiles là sous les cartes. Sortes de petites, des petits ronds là avec des, petites, des petits crochets. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a ça, il y a déjà les émoticônes. En plus, d'ailleurs, j'en ai eu un là tout à l'heure. Non, pas celui-là, celui-là. Mais c'est tout quoi. Et j'ai celui-là qui est de base pour les tours. Mais il faudrait essayer effectivement de. Ah non, ça c'était grâce au pass royal, d'accord. Mais il faut payer 5 euros quoi. 5,50. Donc faut voir. Ok, bah en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao.